Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha, et bienvenue! Bienvenue dans Curious Expedition, où aujourd'hui nous allons explorer le tiki-taka désert. Non, je déconne, c'est pas ce perso qu'on joue. C'est pas ce perso, c'est notre ennemi juré. Nous, on part dans la terre sauvage, aride, au fin fond du désert, avec la beauté de l'expédition, bien sûr, accompagnée bien sûr de Link. Constamment, si tu veux. De Astérix, la Gaule, qui est présente, hein, ici, avec sa potion magique. Avec Rance Sama, et ça c'est le confort absolu. Sengoku Rance, c'est vraiment un jeu fantastique, je vous invite à y jouer. En plus, c'est tactique et tout, bref, voilà. Les autres aussi, ils sont cool, mais c'est des RPG. C'est pas comme Evnickel. Evnickel, c'est un peu trop hardcore, je trouve, mais bon. Et là, du coup, nous avons Silplane qui accompagne Rance Sama. Il me demande si j'ai le couteau de Michael Myers, et je n'ai pas le couteau de Michael Myers. Voilà, tant pis. Alors, on me parle d'une mystérieuse boîte qui a été enterrée quelque part dans la région, il faut la récupérer. Très bien, j'accepte. Avec une carte de scientifique. Il a hoché la tête. Nous avons des gens que nous pouvons recruter. Qui recrutons-nous? Nous avons Panoramix. Prépare régulièrement de la potion magique. J'avoue, c'est intéressant. Nous avons Riri, qui a changé pour la troisième fois de nom et qui veut vraiment, vraiment, vraiment aller piller des tombes, si tu veux. Et nous avons Sir Tristan Winters, un soldat britannique qui lui aussi est un fou du combat, comme absolument tout le monde dans notre groupe, si tu veux. Mais on va peut-être prendre Panoramix. Hein. Panoramix, c'est présent. Moi, je prends Panoramix, on prend Pano. Amélioration d'animal, est-ce que je peux mettre plus de trucs sur Navi? Oui, mais ça coûte cher. Acheter un sac à dos, je peux acheter un sac à dos pour deux personnes, pour deux emplacements. Un sac à dos pour rendre ce Sama pour qu'il porte un minimum son poids, voilà qui est intéressant. Et un sac à dos pour Astérix, le fier et fidèle Astérix qui nous accompagne dans nos aventures depuis quand même pas mal de temps. Donc, double sac à dos. Ça fait deux emplacements d'équipement en plus, on est bien. Et là, je peux acheter le fusil à pompe. Fusil à pompe, ça touche tout le monde, je rappelle, à l'écran, si on a une main avec. Et ça, c'est complètement fumé. Il vaut 140 balles. Mais je pense qu'en termes d'armement, on est bien. On n'a pas besoin de plus d'armement, hein. Je vais être sincère avec vous. Hein. Je vais être sincère avec vous. Ce dont on a besoin, c'est de machettes. D'équipement d'escalade, on a tout claqué la dernière fois, on a besoin de cordes, on a besoin de torches et on a besoin d'au moins deux pelles. Ça paraît être une bonne idée, on a assez de trucs de soins comme ça. Côté pognon, on est assez riche. Ah mais on est assez riche, on est presque assez riche pour prendre un fusil à pompe. Alors prenons un fusil à pompe et c'est tout. Comment ça se passe côté bouffe? J'ai du chocolat et j'ai des boîtes de conserve, il va falloir que je prenne sans doute les deux du coup. Cette fée est toujours là mais je la garde. Allons-y. Des machettes dans un désert? Bah ouais, mais écoute, good enough. Bon, prends des sacs. Non, mais on est bien, on est bien, on est bien. Des sacs à dos. Non, mais écoute. Quoique, tu as raison, hein, peut-être. Hein. Peut-être des machettes dans le désert. Mais dans le désert, je m'attends à trouver des jungles à la con, si tu veux. Je m'attends à trouver des jungles à la con. Et 160, c'est vrai que je pourrais prendre plus de sacs à dos. Ah, bah écoute. Faisons affaire et prenons plus de sacs à dos. Plus de sacs à dos. Un petit sac à dos pour Panoramix. Voilà. Et un sac à dos pour Navi. Voilà, très bien, fantastique. Allons-y. Plein d'emplacements. On est frais, on est fort, on va loin, on y croit. C'est parti. Tant pis pour le fusil à pompe. On fera 100, on se démerde. Ouais, c'est un gros désert. J'ai bien fait de faire de la place. Ah bah non, il y a plein de forêts. Donc c'était une idée à la con. C'est pas grave. On y croit. Ok. Accéder à la soute du navire. On a toujours la bombe. Hein. On a toujours la bombe. Je pose ça, je pose ça. Ça fait de la place. Je garde tout. Ça me paraît raisonnable. Ça me paraît raisonnable. Ça me paraît raisonnable. Et on va se ravitailler en flotte, en flotte, en flotte. Voilà, débuter l'expédition. C'est parti. Création du monde, je sais plus ce que ça fait. Création d'une cascade, ça c'est bien. Allons-y. Pas mal, pas mal. On pourrait aller là pour avoir une belle vue de tout ce qui se passe. Il faut qu'on parte dans cette direction. Ok. Rien du tout. Ah, effectivement, ça risque d'être chiant s'il y a Kupwick comme ça à l'infini. Effectivement, il n'y avait pas grand-chose hein, sur la map monde, mais parfois, il y a des objets cachés, tu vois, des trucs, des cercles de pierre, enfin. Ça n'annonce pas tout à l'avance, si vous savez. Oh la vache! Ah, c'est vide!
J'ai déjà claqué tout mon matos d'escalade, putain. Waouh, 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 waouh! Oh les volcans! Oh les volcanus! Ça a une panthère. On va pouvoir lui casser la gueule. Ça nous fera nous sentir mieux. Allons-y. Deux panthères, cassons-leur la gueule. Grosse griffe. Dlaaah! Fusil, fusil, flingue. Bleh! Double épée. Bleh! Coup de tête. Ouh! Rituel. 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 Bleh! Transpercé. Bon bah pas mal. Pas mal, pas mal. Hein. En termes de capacité de combat, j'ai envie de dire qu'on est, on est plutôt fort. Hein. On est plutôt fort. Ça coûte cher, mais ça permettra d'aller voir loin. Allons-y. Ah, un temple. Putain, et là, pour accéder là, ça va être complexe. Hein. Un temple. Avec un piaf, là, sur la route. Oh, de la potion magique! Potion qui rend invincible. Maximum un dé par tour de combat. Ça permet de mettre des gifles. Je me demande à quel point c'est efficace. On peut tester, hein. Merde, bon, tant pis. On va tester sur l'éléphant, là, sans doute. Il y a un éléphant, là. Excellent. Attaquer le troupeau d'éléphants. Allons-y. Elle est où? La boisson de moustachu. Coup violent. Pef. Coup de tête. Pef. Et là on l'a étourdi double. Donc ça veut dire qu'il n'a pas accès à ses 2 dés. Donc ça veut dire qu'il est ouvert. Donc là, tir magistrat. Là c'est la boucherie. Allez, je l'achève. Oh, il s'est fait mutiler l'éléphant. Il s'est fait molestron. C'est un nouveau Decepticon, notre Transformers. Putain. C'est un robot, il se transforme en Weinstein. Impeccable. Utiliser la corde, grimper sans sécu. Grimper sans sécu, voilà, quelqu'un va bien arriver. Cyril, bonne chance, Cyril. Impeccable. Qu'y a-t-il? Un parchemin d'ouvrage sur le feu. Et encore des gants d'homme fort, décidément. Et là, il y a peut-être moyen de passer, mais pour ça... On va que je vais sur cette case, parce qu'ici, la végétation a brûlé. Donc, il n'y a aucun risque que ça nous pète à la gueule. Ouais, ça marche bien, ça. Bonne vieille strat. Petit. Attaquer tigre. Ouais, c'est bien, ça va nous mettre en jambe. Ça va nous mettre en jambe. Fleh! Non, mais les items de slasher sont complètement pétés, hein, brave Jean. Bref! Putain, mais des gifles. Le degré des gifles. Ah, j'ai plus de... Ah si, bah, si, j'ai la balle. La balle. Bla. J'avais une balle pour l'achever. Allez, des bisous. Non, mais elle est bien, cette petite expédition, là. Je sais pas vous, mais... Mais le ménage est fait, hein. Bonjour, bonjour. Alors, comme ça, vous êtes un éléphant. Paf, la griffe. Paf, la griffe. On n'a pas plus de potions magiques, on n'a pas plus. C'est pas grave. Tac, tac. Grosse hémorragie. Vas-y, saigne. Coup de boule. Coup de boule. Coup contre-attaqué de défense. Garde l'épée. Gifle. Gifle. Empoisonnement. Et c'est fini. C'est fini. Voilà. C'est terminé. Merci. Très bien. Prends tout. Alors, on a un item en trop, sans doute la viande. On a 2 items en trop, sans doute la viande. Parce qu'on peut rien en faire, si tu veux. Cette panthère, elle cherche la merde. Hein. Ouais, je veux pas dire, mais
Moi, je serais la panthère, je chercherais pas la merde comme ça. Plaît ! Déjà la gifle. Ensuite, la gris-griffe. Le coup de couteau. Tech ! Tech ! Coup de tête ! Balayette ! La manchette. Et c'est fini, c'est la fin de la fête. Voilà, très bien. En tout cas, en termes de récupération d'animaux, ce niveau, très fameux. Je tiens à le dire. Très fameux, très fameux. Je me demande du coup, parchemin sur la création du monde, à quel point c'est efficace. Si par exemple j'allais là, et que je claquais le parchemin sur la création du monde. Attendons. Oh, regardez ça, ça reforge le monde autour de nous. La vraie magie. Oh. On a trop d'objets, merde. Potion magique. Potion magique rapporte de la santé mentale. Trouver la caisse mystérieuse. Merde, j'ai oublié cette quête. Et merde, du coup, wait, attends, c'est là. Ouais, si, c'est là. C'est là, c'est ce cube-là. C'est bon, ça. Bonne vie, Strat. L'appel. On creuse. Et on a trouvé la boîte. Très bien. Il nous a spécifiquement demandé de ne pas l'ouvrir. Bah, on ne l'ouvrira pas. Nous ne sommes pas des débilus. C'est quoi ça? Un nouveau lieu découvert. Je sais pas où est-ce que t'as trouvé ça, mais... En tout cas, pour l'instant, j'ai trouvé qu'un temple. Hein. Donc, c'est-à-dire que tout le reste est de l'autre côté de ces montagnes. C'est chaud et c'est chelou. On n'a pas le chocolat? Si, si, on a le chocolat. On peut manger des boîtes, cependant. Et aller taper les crabes. Attaquer le crabe géant. Ouh la belle bait. 25 points de vie, 4 attaques. Hein. Belle bait, hein, mon gars. Tir magistral. Pef ! Moitié de sa barre. Petit rituel, on garde une guérison. Si jamais. Si jamais, si jamais. On garde les yeux. On garde l'œil. Bon, voyons voir comment on organise tout ceci. Alors, déjà, si je fais une attaque précise, mais que j'ajoute un œil, ça fait ça, mais ça rajoute hémorragie qui fait 3 de dégâts. Donc, ouais, coup perforant, bref. Donc là, l'hémorragie va l'achever déjà. Il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à le tabasser. Impeccable. Des pinces de crabe. Intéressant, ça. Intéressant, intéressant. Du coup, j'ai pas la place. Bah, je peux abandonner la deuxième pelle, hein. De toute façon. C'est pas comme si j'avais trouvé un deuxième trésor ici, ça ferait aucun sens. Que font les sorcières? Ça crée une cascade, ça crée du feu. Alors le feu, c'est intéressant. C'est intéressant, ça pourrait être stratégiquement utile par la suite. Cependant, je ne vous cache pas mon inquiétude, braves gens. Parce que les montagnes-là m'empêchent de passer ou de faire quoi que ce soit de valide, hein. On va avancer jusque là, ce que je vais faire. Claquer un petit coup de dynamite sur cette montagne à la con là. Pef ! Histoire de clarifier la place. Passer à côté de cette zone qui risque de brûler un peu, mais somme toute tout va bien. Et là il y a un temple avec des hyènes. Mais la vérité. Ah ah, la vérité c'est que pour toute cette chaîne de montagnes... Restez prudents. Ouh ! C'est plutôt un objet de moustachu, hein ? Ok. Donc tout va bien. Mangeons des boîtes.
D'accord, par contre, ça laisse des terres radioactives. Ça, c'est un problème, si tu veux. Ah, un tombeau. Qui sera notre tombeau. Hop, petit coup de potion magique, et ça, c'est cool. Entrons dans le tombeau, ouvrons le sarcophage. Et il y a une momie qui s'est relevée. S'il a failli s'évanouir à cause de la momie. Cassons-lui la chatte. 10 points de vie. 22 points de vie. Merci, au revoir. Allez, hop, couchez la momie. Récupérer. Exploiter, vendu. C'est allé vite. Explorons du coup rapidement. Ouais, d'accord. Bon, ça n'a malheureusement pas laissé grand-chose, comme vous pouvez vous-même le constater. Ça n'a pas laissé grand-chose, ça n'a pas laissé grand-chose. Je sais que la pyramide se trouve au sud, braves gens, mais j'allais au nord parce que je voulais voir... région infranchissable, merde. Ah, on a une potion magique, super. Petit coup de potion magique. Dernière patate au sucre. Je commence à faire une indigestion de haricots. Eh ben, tu m'en diras tant. Et à ce propos, cible pour gagner un level, mais panoramix aussi. Prépare régulièrement de la potion magique. Et ben voilà, j'ai amélioré son trait de potion magique. Très bien. On s'est pas fait surprendre par ces saletés. Coup de boule. C'est tellement jouissif ce coup de boule. Fusil, œil et œil déjà. Plef! Malédiction, le poisson! Tac, couteau, il va mourir. Ensuite. Il a deux attaques, un coup de boule, deux coups de boule. Tout le reste, c'est gratuit, c'est pour nous, c'est offert. Voilà, il est étourdi, donc il peut rien faire. La griffe de Freddy Krueger et le fusil. Ouvre les deux yeux. Bref ! Et voilà, fusil très efficace, hein, somme toute. Hein. Je regrette pas, pas mon achat. Hein. Ouais, et là. La pyramide est définitivement au sud, quelque part. Je dirais qu'elle est dans cette forêt, là. Elle est dans cette forêt, la pyramide. C'était sûr. C'était sûr. Et il faut pas qu'on se fasse attaquer par ces panthères à la con. Laissez-moi juste régler ce problème. Somme toute est un problème, mais... Lessiver. Voilà, très bien. On va leur montrer ce que c'est d'être pété. Oh là, y'a un! Il a combien de jours, lui, d'arriver? 22 jours restants. Ça prend 12 jours de voyage. Et 21 jours de voyage. Eh bien, y a pas intérêt à avoir d'interruption, les enfants. Parce qu'à un jour près... Ça nous fait arriver avant H.P. Lovecraft et ça nous permet d'avoir le bonus. Hein. Explorer le tombeau. Qu'est-ce qu'il y a dans le tombeau? Ouvrir le sarcophage et dans le sarcophage, des momies et un masque mortuaire. Et somme toute, ça c'est la gloire. Des hyènes. Pas de raison de pas se saucer. De pas se saucer, disais-je. Tac! Donc ça, il est mort. Blé! Magie. Quand même. Bon, on les achève. Voilà, pas de raison. Mutilés qu'on les a mutilés. On les a déglingués. Très bien. Donc dans tout ceci, jette la viande, jette l'eau. Jette l'autre viande. Et encore un objet en trop. La potion magique, on la boit. Et... j'ai toujours un item en trop. Jette les deux torches. Et là, on est bon, là. Là, on est bon. Donc, H.P. Lovecraft, il arrive quand, lui?
10 jours, 9 jours pour arriver là. Et ben on n'a pas intérêt à lambiner les enfants. Hein. Go, 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 go. Ouh, on y est. Et là, c'est la gloire, mon gars, la pyramide en or. Ah, et pour l'ouvrir, il faut 2 pierres de lune. Fort heureusement, je sais plus où elles sont, mais voilà, je les ai. Je les ai, les pierres de lune à la con. Donc ça, on est bien. Ouh, victoire. Sous le nez, la première place. Ah là, je l'ai volé. Lovecraft, il a rien vu, il était là. Oui, oui, il y a des monstres, ils ont des tentacules. Voilà. Et nous, on passe comme ça, si tu veux. On a Panoramix qui se tape Syl la nuit. Hein. Quoique non, on sait bien que Rance, il partage pas ses gonzesses. Donc il est absolument impossible que Syl couche avec autre chose que Rance. Quoique je vois Rance partager avec Link. Hein. Il aime pas les hommes, mais Link, c'est un bro. Link, c'est un bro. Pity Power. Générer de la pitié, ça diminue énormément les chances d'aggro des ennemis. Expert en explosif, augmente le rayon du dynamitage. Et grimpeur. Dynamitage, mon gars. Ah là 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 là. Ah non, mais c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'en ai récupéré de ça. On va en garder un, on sait jamais. Les dents, finalement, j'en fais jamais rien, hein, donc... Voilà. Les dents, j'en fais jamais rien, donc... Faisons-en du pognon. Voilà, ça, ça va dans un musée. Ça, c'est vendu. Ça, c'est musée. Ça, c'est musée. Et ça, c'est vendu. Oh, le pognon! Ah, on est bien, hein. Oh, putain! On est bien, on est costaud, hein. On est costaud, on est costaud. Il y a une pyramide en or dans la région. Et là, il y a une pyramide en or ensevelie. Les cruelles terres préhistoriques contre l'effroyable Range of Mountains. Eh ben, je suis pour l'effroyable Range of Mountains. Il y a d'avoir plus d'objets, plus d'items, plus de choses à visiter. Ça a l'air plus intéressant. Ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant. Allons-y. Voilà. Peu de temps après mon arrivée, le scientifique est venu à ma rencontre. Il avait hâte d'obtenir sa mystérieuse boîte. Voilà la boîte. Nous lui avons remis la mystérieuse boîte. Il fut si soulagé qu'on la retrouve, qu'on l'ait retrouvée, qu'il la range dans son sac. Wouhou ! Du blé. Quelque chose de démoniaque se balade dans la terre dans laquelle vous vous baladez. Trouvez la machette de Jason Voorhees. Très bien. Qui est-ce qu'on recrute ? Il essaye encore de se faire recruter. J'hallucine. Claudette Desrochers et Capitaine Zacharia Harold. Non merci, je suis très bien avec ma team. Très bien. Acheter l'équipement. Amélioration de l'animal déjà. Attends, quoi qu'avant de faire quoi que ce soit, regarde l'équipement. Mama Sticky Ribs. Ça coûte 25. Et ça vend une nuke qu'on va prendre tout de suite. On prend toute la dynamite, bien sûr. On prend les hachettes, le matériel d'escalade, les pelles, ça, ça et ça. Je veux pas le savoir. On prend toutes les cordes. Et il me reste encore masse de blé. Hein. Il me reste encore 300 balles. Il me reste encore 300 balles. On est bien. Il y avait quoi dans le coffre? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y avait dans le coffre. Mais on est bien. On est bien, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Est-ce que tu crois que le bonus de range, ça va sur la nuke aussi? Je pense que oui, hein, mais ça fait plus 1 sur la nuke. Hein. Ça fait pas si finalement pas grande différence. Amélioration de l'animal qui coûte 150. Amélioration des animaux qui sont avec moi, comme Syl. Pour 100 balles de plus. Très bien. Amélioration de Link, qui est très bien. Et amélioration, après Link, de Terracide. Très bien. Fantastique. Et on est bon! On est bon, on est bon. On est pauvre, mais on est bien. Dernière expédition. Je pense que la victoire est décidée. Cependant, on va quand même explorer et voir s'il ne nous arrive pas des aventures absolument folles. Voilà. Impeccable. Grosse map, hein.
Grosse map, ça ferait pas de sens de poser les objets et de les laisser au bercail, si tu veux. Il va falloir tout prendre et y aller, si tu veux. Donc, quitte à ce qu'on abandonne les items sur la route, on y croit. Prenons de la flotte, ça coûte rien. Et allons-y. Bon. Pas mal, ça. Allez, go. Oh, un bateau dès le début et une source. Très bien, belle vision, ça, ça nous donne. Et on peut dès le début commencer, on a une potion magique, c'est très bien. On peut commencer à explorer ça. Et il y a un animal sauvage dans la zone, mais on s'en bat les couilles. Fouillons et on trouve de la dynamite et des joyaux magiques. Où est l'animal sauvage? Un crocodile! Eh ben, le crocodile, on utilise la potion magique pour lui mettre une gifle. On prend le fusil et on lui fait un tir. Bleh! On l'achève. Strike. Coup de tête. Combien il a d'attaque? 2 attaques. Épée de vision, attaque précise. Empoisonnement. Coup des pieds. Attaque précise. Bouclier. Triple attaque. Et normalement l'empoisonnement achève cet enculé. Et voilà. Ouh. Un emplacement d'objet en trop. C'est pas grave, c'est la viande. Hop là. C'est la viande et c'est la flotte. Voilà, très bien. Comme quoi, somme toute, on est pas mal. Hein. On est pas mal. N'hésitons pas à nous déplacer parce qu'on a des macribs. C'est quoi ça? Elle est bizarre cette hyène. Explorer le cénote. Oh. On examine le puits naturel la nuit et un fantôme nous parle d'une région inexplorée où il y a d'anciens sanctuaires. Mais le problème c'est que c'est la dernière expédition. Donc c'est fort aimable de sa part, mais malheureusement ça ne servira à rien. Création d'une cascade, parchemin d'ouvrage sur le feu. C'est bien ça. Faudra qu'on y pense. 82 rubis, putain, on n'a aucune négociation avec les terroristes qui habitent ici, mais si jamais c'est le cas, on va se saucer. Attaquer un lion des caves. Un lion des cavernes. Oh, il est beau, lui. Oh, la bébête. Ah, putain, j'ai pas d'œil. Tant pis. Allez, il est mort. Rituel de la guérison. Coup des pieds. Coup d'épée. Et pas d'œil. Bon, tant pis. Oh, bah, petite bastos. Épée, hein. Mon gars, je suis équipé. Très bien. On est trop encombré, mais on est à côté du marchand. Et donc, on va pouvoir se saucer avec le marchand qui nous montre ce qu'il a. Puzzle box. Ah! Ah non, attendez, c'est ça! C'est ça le truc de Pinhead! Eh ben, c'est nickel! Ils vendent la gnôle! On va lui prendre. Les machins d'escalade, on va en prendre plein aussi. Mais Bob, t'as pas l'argent! On va tout prendre. T'as pas l'argent? Boum! Tous les rupies que j'ai depuis le début, si tu veux. Le pognon, je l'ai, c'est pas le problème. Oh, des gris-gris. Oh, des sagués, mon gars. Faire affaire. Merci. Impeccable. Allez. Très bien. Après des heures, vous arrivez à enfin résoudre cette boîte de puzzle et se trouve tête d'épingle, Pinhead. Je peux l'inviter à nous rejoindre, mais je vais l'attaquer plutôt. Oh, le beau. Oh, le beau. 20 points de vie, il rigole pas quand même. Enfin, il rigole pas. Bref! Voilà, nous on rigole pas non plus. Hein. Tac, ça fait déjà 12 PV. 12 PV, qu'est-ce qu'il y a? 12 PV empoisonné derrière. Coup de tête, blé! Coup de pied, blé! Coup d'épée, blé! Et le poison, merci, au revoir! Alors, il nous a donné le crochet de Pinhead. Ah oui, celui avec lequel il bute. Aïe, c'est dégueulasse. Ainsi que 3 restes démoniaques que l'on peut enterrer. Je suis surchargé.
C'est la société qui m'a surchargé. La société qui m'a abandonné. La société qui m'a forcé. J'offre le cadeau à Rance Sama pour augmenter sa fidélité. J'offre le cadeau à Syl pour augmenter sa fidélité. Et j'offre le cadeau à Astérix parce que ça fait longtemps qu'il est là. Si ok, on est toujours surchargé. On est peut-être surchargé, mais on a largement l'endurance et les ressources pour se déplacer en surcharge. Donc moi j'avance. En plus il y a des lions là. Petite potion magique. Impeccable. Impeccable. Merde, j'ai mis le feu. Bon, les lions, alors ça fait quoi ça? Coup de fouet, dégâts 1, ennemi étourdi. Mais c'est fumé! Bah voilà. Il y a un ennemi là, il est hors jeu. Il est mort instant. C'est quoi fin de tour? Voilà, gâche ton tour. Laisse-moi sortir le fusil. Et dis merci madame. Oh, je l'ai fouetté! Oh, je lui ai fouettasse la gueule, quoi! Il a pas compris, hein. J'ai toujours une bombe nucléaire. Je vais abandonner cet anneau. Allez, c'est bon, on est plus surchargé, du coup. Génial. Génial, génial. Et il y a des sources de guérison, même. C'est pas rien. C'est quoi, on va... Ah, attends, une seconde. Le flingue. Voilà, qui révèle une autre caverne. Par chance, j'ai toutes les torches du monde. Et je pourrais donner un niveau à Rance Sama supplémentaire ou un niveau à Panoramix. Niveau à Rance Sama qui débloque un troisième dé d'attaque. Encore plus fumé. T'as plein d'items à utiliser avant la fin. Ouais, non, mais bien sûr, t'inquiète. Déjà, on se repose. Ah! On a décidé que ce serait une bonne idée de passer la nuit ici. C'est un bel endroit, j'ai sûr qu'on trouverait un repos bien mérité. Mais un événement surnaturel a eu lieu. Les esprits des indigènes décédés nous ont approchés. Ils nous ont dit qu'ils avaient été tués par des monstres contre nature qui se reproduisent dans une grotte à proximité. Si on accepte de tuer ces créatures, nous trouverons une récompense magique sur leur dépouille. J'accepte. Et la grotte, elle est là. Ok. Bon, on se repose quand même une petite semaine confortable. Petite semaine confortable. On a de l'agneau, là. On peut explorer les grottes. Allume la torche et explorons. Explorons le tunnel. Le tunnel va nous emmener quelque part ailleurs. On a marché longuement à travers ces tunnels sombres et on a trouvé une lumière au loin. Et ça me fait popper là. Ce qui, somme toute, est intéressant, mais pas pour tout de suite. Ça passe. C'est bon, c'est passé. On l'a fait dans un sens, on peut le faire dans l'autre. Voilà. Et quand même, je... Mais... Oh well, finalement, hein, comme quoi, tout se goupille. Tout se goupille. Voilà, tout se goupille. Oh! Grosse dynamite. Hein. Explorer la grotte, on allume la torche et on pénètre. On allume la torche et on pénètre à l'intérieur. On a trouvé la grotte dont les fantômes indigènes nous avaient parlé. Tout était dans un état de délabrement avancé avec des os éparpillés sur le sol recouverts de poussière et de toiles d'araignée. Avant d'avoir pu pousser plus loin dans nos investigations, nous avons entendu des craquements inquiétants. Lorsque je me suis rendu compte de ma terrible erreur d'appréciation, il était trop tard. Nous avons été attaqués par une meute d'araignées monstrueuses. Des araignées dégueulasses. Mais c'est de la merde. Potion magique. Déjà, gifle. Pef. Flingue, double épée, griffe, de toute façon il est étourdi donc ça sert à rien en plus, fouet, et voilà il est étourdi, donc on est safe, on peut planifier tout ce qu'on veut comme on le veut si tu veux.
voilà, c'est fini. On est vraiment trop fort. Très bien. Une citrouille lanterne. Une lanterne particulièrement fabriquée à partir d'une citrouille évidée. Il n'y a aucune explication rationnelle à sa source lumineuse intense qui ne semble jamais s'épuiser. Ça marche comme une torche ? Je pense que ça marche comme une torche infinie. Au pire, on prend le risque. J'abandonne les torches. Le risque est fou. Le risque est fou. J'abandonne les pelles. J'abandonne les pelles. La fée, je la garde. Ça, je garde. J'ai un objet en trop. Un cercle de pierre, bien sûr. Ça va nous coûter beaucoup de ressources. Mais non, il faut abandonner un item. Il y a un item en trop. Je veux pas larguer les cordes. C'est pour les marécages. Quoique, on peut larguer les cordes. La viande. Ah, j'ai la viande. C'est vrai, super. Bien joué, merci. Ok, l'eau a l'air de s'être calmée en plus. C'est cool. Allons dans le cercle de pierre. On peut révéler les ruines, les villages ou les grottes. Je veux les ruines. Ah ah. Voilà qui est appréciativement important. Alors là, je vais prendre un risque. Je vous l'accorde. Et hé, une mission. Et ça, par contre, ça va être utile. Par contre, il faut que je calcule mon coût. Ouh. Nickel. Et j'aurai peut-être le temps de passer avant que l'eau revienne. Innominé Patrice, merci beaucoup. J'aimerais accéder à l'entrepôt. Et dans cet entrepôt, j'aimerais poser les joyaux. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? Les deux peaux, là, j'imagine. Les jambes. Ouais, hein, tout le reste. Les dents prennent pas de place. Vous voyez, tous les objets qui ont une petite plume là indiquent qu'ils ne prennent pas de place. Donc les dents, c'est un objet qui prend pas de place. Écoute, good enough. Hop là, on envoie tout ça à Londres. Faire du troc. Faisons du troc. Il me propose de la dynamite, mon gars. Dynamax. Et plus de trucs de soins, ainsi plus de balles. Les balles, tout va bien, j'en ai pas besoin. Par contre, ce que je peux te proposer, mon cher pasteur, et pourquoi on est à bénédiction, j'ai de la gnôle. Oh, la bouteille de... Oh, la gnôle. Oh là 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 là, t'sais quoi? C'est quoi? À votre bon cœur, mon père. À votre bon cœur, bon padré. Impeccable. Eh ben, on l'a saucé, hein. Ah putain, la flotte qui s'énerve, faut vite qu'on se casse. Super, excellent. Explorer la grotte, on a encore de la potion magique. Utiliser la citrouille lanterne. Et nous avons trouvé des cristaux magnifiques. Il y en avait qui avaient l'air d'avoir de la valeur et d'autres qui avaient même bon goût. Oui, tout le monde a léché les cristaux mystères. C'était un coup de chance, parce qu'ils avaient un effet calmant. Très bien. Très tranchant, il peut être utilisé en combat. Ce cristal fait un thé reposant. Combat de cristal et cristal apaisant. Intéressant. Potion magique. Bon, sur la route, il y a une panthère, mais je vais l'ignorer. Si, en supposant... Là, il y a le, là, il y a des grottes, là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose. Et là, il y a toutes les grottes. Si je nuke, je suis là. Hein. Si je nuke, comment je nuke de manière effective? C'est sans me tuer. Et malheureusement, je peux pas. Hein. J'aurais bien dégagé le... J'espère que ça tue pas le bateau. Si je nuke comme ça, ça dégage bien la route, hein. Le bateau va bien. Bateau va bien. Ouais, ça dégage bien la route, hein. Ça dégage bien la route, hein. Et là, il y a l'entrée d'une grotte. Oui, mais elle va très bien, toujours. En ligne droite, 60 piles. Pas mal. L'eau m'a attrapé et j'ai été emporté. J'ai perdu mon télescope. Ah merde. Bon, tant pis. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Ah, les indigènes nous en veulent. Ils nous coursent.
Tout le monde nous course. Hein. Attaquer un troupeau d'éléphants. Je peux attaquer tout le monde, sauf les indigènes et les lions qui me poursuivent. Hein. Attaquer les lions de la caverne. Très bien. Bah là, on va buter tout le monde. Puisque tout le monde se permet des exactions telles que exister. Alors, on va les fouetter jusqu'à la mort. Pas de coup intelligent, non. Triple attaque. Voilà, très bien. Excellent, j'ai tout pris. Attaquer les lions des cavernes. Excusez-moi, hein, c'est un processus. C'est un processus. Couchez ! Couchez ! Voilà. C'est un processus. Impeccable. Quant aux sauvages qui nous poursuivent, ce ne sont que des sauvages. Tout ira bien. Alors, la grotte, on utilise la lanterne citrouille. Ah, nous avons utilisé notre citrouille lanterne pour éclairer notre chemin. On est arrivé devant une étroite ouverture dans l'une des parois qui semblait mener vers une autre partie de la grotte. Mais une seule personne peut y passer. Eh bah, Syl, hein. Syl, mon gars. Quoique de tous, celui qui a le moins de valeur, là, actuellement, c'est Panoramix, hein. Allez, on envoie le vieux. Kia, 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 kia. Impeccable. Il est passé. Après un bon moment, il est sorti en rampant de l'obscurité. Il avait trouvé les restes d'une expédition ainsi que quelques objets de valeur qui ne risquaient pas de leur manquer. Intéressant. Prends tout. Utilise le ballon, ça révèle un village. Et le ballon qui révèle un chaman. Et ça, c'est intéressant. Les 5 pelles. J'ai 3 emplacements en trop. D'accord, j'ai trop d'items en trop. Claquons ça. Bon, je jette ça. Et je jette la viande. Voilà, très bien. Et là, j'ai tous les items. On peut creuser à travers cette montagne. Ce qu'on va faire. Comment on explore, mon gars ? Je veux dire... les radiations... les montagnes, on creuse nous hein. On s'en bat les couilles hein. Bat les couilles. Des cristaux, super, et c'est les mêmes. Impeccable, je prends tout. On s'en bat les couilles. Et là il y a un village de sauvages. C'est intéressant qu'on puisse aller leur défoncer la gueule. Ah mais nous on vit notre meilleure vie hein. Explorer le sanctuaire. On a des cordes, claque la corde. Pénètre. Et en haut du pédestal se trouve une pièce de monnaie en or, une pierre de lune et un gant d'homme fort. Je prends tout. Et il y a du gaz empoisonné qui sort du sol. Eh ben. Waouh, et ça rend toute la barre. Ça rend toute la barre, ça c'est OP. Hein. C'est juste OP. Hein. Moi j'ai trop d'objets OP là. Je vais être sincère. C'est un état de fait qui ne veut plus rien dire. C'est un état de fait qui ne veut plus rien dire. Je lâche les cordes. Je réfléchis par où passer, surtout comment rejoindre ce village de péteux. Parce que j'ai une leçon à leur donner, si vous comprenez. Ah, très bien. Très bien, très bien. On va s'occuper d'eux juste après. On grimpe sans sécurité. Sans sécurité qu'on grimpe. On y va à l'agilité. À la jambe. Très bien. On entre dans l'équipe. Enfin, on entre dans le sanctuaire. Le caillou, l'anneau, on prend tout. Et il y a un changement climatique autour de nous dans cette région. 2 emplacements en trop. J'abandonne le gant. Et on va utiliser la fée. Très bien. Il va y avoir un changement climatique. Ça transforme la zone en désert. Ah ouais, ça transforme la zone en désert. On n'a pas d'eau par contre, donc il va falloir être prudent. Le village. On peut rien y faire au village. D'accord, ils ne veulent même pas de nous. Très bien. La hutte du chaman dans ce cas-là. Voilà, très bien. On peut attaquer la panthère. J'avoue qu'elle est sur la route, hein.
On a des peaux de panthère? Ouais, non, on les avait abandonnés, je crois. On les avait abandonnés, on les avait abandonnés. Là, il y a même une autre caverne. Oh là 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 là. Les mystères qui s'épaississent, les mystères qui s'épaississent. Que nous propose le chaman qui mâche des feuilles? Ah, une belle collection de ribambelles d'items absolument fous. Ce champignon nous fera oublier tous nos problèmes. Ce champignon, il soigne tous les deux les momentos. Ce champignon permet de courir plus loin. Ce champignon permet de voir plus loin. Un parchemin sur les aigles éclaireurs. Un page sur la téléportation ciblée. La création d'une colline et la téléportation aléatoire. Très intéressant tout ceci. En échange, voilà tous les rubis. Impeccable. Je mange le champignon qui me permet d'y voir plus loin. Je mange le champignon qui me permet de porter plus de merde. Et on a déjà un objet en trop quand même. Et B. On peut abandonner cette dent parce qu'il y en a juste trop. Et je peux choisir d'abandonner les machettes. À moins qu'on ait de la viande. Non, c'est bon. J'abandonne les machettes. Très bien. J'abandonne les machettes. Là, il y a quelque chose en bas. Mais j'ignore ce que c'est. Là, il y a une caverne. Ce serait intéressant de l'explorer, cette caverne. Pour ça, rasons la zone. Ah merde, on est à 0 rupies, mais on a de la potion magique. Bah non, on peut manger une barre sticker. Non, c'est pas grave. Triple potion magique, on est full. Et on utilise la citrouille lanterne et on trouve des cristaux encore. Bah décidément. Ils font quoi ces cristaux? Plus 10 de santé mentale. Ah mais j'en ai trop là du coup. Maximum 5 parcours de tour de combat. Je sais pas ce que font les cristaux magiques, mais faudra tester. Faudra tester, faudra tester. Là, il y a des gorilles, ce qui est intéressant. Et là, nous avons tout ce qu'il nous faut ici. Faisons le chemin. Ah merde, on se fait agresser par la panthère. Ah! A! U! I! O! Y! Bon. Pas de panique, les enfants, pas de panique. On a des chamans. On peut se soigner. On a toutes les chamaneries possibles et imaginables. On s'est fait certes prendre par surprise. Mais ça veut pas dire qu'ils sont dangereux. Voilà. Ne nous sous-estimons pas, les enfants, ne nous sous-estimons pas. De plus, des trucs de soins, on en a à l'appel. Donc on va soigner tout le monde. Soigner tout le monde. Et soigner tout le monde. Voilà. Trousse de soins pour tout le monde. C'était la fête. On a encore de l'alcool à l'infini, on a de la bœuf, putain, on a tellement de trucs de récupération de vie. On a tellement de trucs de récupération, j'ai envie de dire, mais le problème c'est que on va abandonner les cristaux. Ou non, bah tiens, on peut abandonner les rubis. Quoique les rubis vont repopper à des moments où je m'y attendrai le moins, donc vaut mieux se faire un petit emplacement de prévision. Ah ah, une autre mission. Fantastique. Fantastique, fantastique, fantastique. Allons-y. Entrons dans la mission. Faire du troc, qu'est-ce qu'il propose? Encore de la dynamite, c'est bien, j'en utilise un peu. On t'échange de la gnôle. Accéder à l'entrepôt pour laquelle il enverra des choses à Londres. Si tu peux envoyer cette pièce, c'est D. Et c'est Diams. Somme toute, c'est pas mal. Merci infiniment, Padré. Des bisous. Très efficace ce padré. Hein. Et là j'ai des dents, mais ça sert à rien. Voilà, très bien. On va manger ce... Ah non, je peux encore me faire un déplacement avec tous les bonus qui y sont affiliés. C'est très bien ça. Dans ce cas-là, je voudrais me déplacer jusque-là si possible. Allons-y. Ah ah, c'est une grotte ça encore. Ah ah, des choses. Des choses, braves gens. Et des sauvages. Des sauvages. Attaquer le troupeau d'éléphants. Oui, bah somme toute, pourquoi pas, couche, ah, ça se marche pas seul. Alors ça marche avec les épées. Fouet coupant, x2 étourdi et 4 de dégâts, et bah voilà, au chiotte le pachyderme. Le poison, poison qui te consume. Au chiotte, on t'a dit, au chiotte, voilà. Mutilé. Explorons le sanctuaire. Sur les murs étaient gravés les symboles de représentant le soleil, la lune et les étoiles. J'aime
pas ça du tout. Mais au pire, on a le parchemin de téléportation. On va prendre ce champignon de vision. Très bien. Voilà, parfait. Avec ça, je me suis ouvert un passage. Si jamais c'est la panique. Si jamais c'est la panique. Donc on va explorer le sanctuaire. Juste un gant de pouvoir. Je le prends, c'est de la répute. Très bien. Alors que nous avons pris tout ce que nous pouvions prendre, j'ai remarqué qu'un trou noir qui s'était formé au-dessus de l'hôtel comme une grosse tête d'épingle dans le voile de la réalité a commencé à se développer de façon inquiétante. Qu'est-ce qu'on a comme parchemin? Parchemin d'ouvrage sur le feu. Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Parchemin sur la création d'une cascade. Ça n'a pas marché du tout. Pas de panique. Champignons hallucinogènes. Euphorie. Loyauté plus 1. Fantastique. Ils sont défoncés. Voilà, mélange ça à la potion magique, on sait jamais les effets que ça peut avoir. Mange ce champignon qui nous permet de transporter plus d'items. Puis cassons-nous. On se fait attaquer par quoi? Par des pygmées? Oh, ils nous attaquent les pygmatos. Aïe. Aïe. Oh là 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 là, ils se permettent. Ils se permettent. Déjà, à mort votre bouclier de mes deux. Ensuite, c'est qui l'indigène guerrier parmi vous? Bra, déjà, ça c'est pour la motivation. Ensuite, qui a seulement un cube d'attaque? En toi, mais tu peux rien faire, toi, si je te fouette. Voilà, parfois, il n'y a que comme ça que les indigènes y comprennent. Bra, allez. Technique belge, mon gars. Quoique, il est mangé, si tu veux. Allez. Code 0. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que tu te permets de parler? Pouh, coup de tête! Hourré! Moi je balaye, hein. Je balayette direct. Rituel d'unité. Rituel d'unité. Rituel de l'unité. Le fusil, qui veut mourir? Ce qui est précis, c'est 4 et là, c'est tir magistral, c'est 12. Mais si je fais ça, ça permet de faire 4 avec un autre. Ou 3, je crois. 3-1. Bon, ouais, qui veut mourir? Bref! Il est mort. Nettoyer, comme on dit. Rituel! Triple attaque! Cristaux magiques de mes boules. Tant pis, on n'a pas eu de cristaux magiques. Ça fait quoi? Stab! Multiple stabs. Dégâts 3 et demi, hémorragie. Poignarde. Poignarde. Inflige des dégâts de saignement. Poignarde. Poignarde, tout le monde est mort. Pas lui. Ah merde, on est toujours empoisonné nous par contre. Rituel d'unité. Voilà, très bien, tout le monde est full life. Et même gros rituel de guérison. Voilà, pour être sûr. On va claquer les 5 histoire de voir. Y'a pas moyen d'avoir un cristal spécial. Ah, ça fait quoi ça? Strong stab. Flesh wound. Attaque multiple et hémorragie à tout le monde. C'est vachement fort. Bon, il est mort, mais... Très bien. Oh, ils avaient du fromage! Oh là 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 là, ils régalent les sauvages. Hein. Ce champignon, il peut soigner toutes sortes de maux. Mais je peux pas en servir parce qu'on n'a pas de problèmes mentaux apparents. On peut attaquer ce lion des cavernes. Faisons-le. J'ai un cerveau, j'ai une dynamite. Bref, tout le monde prend 4 déjà. Ensuite, ça fouette. Ça fouette. Ils ont 2 dés chacun. Ça coup de boule. Ça coup de boule. Tout le monde est paralysé là. Donc, il n'y a plus qu'à les achever selon notre convenance. Voilà, très bien. Impeccable. On les a démontés. On les a démontés. On les a démontés du cul. On leur a arraché les poils. Poids. Explorer. Un cimetière d'éléphants avec un animal sauvage dans la zone. Un œuf. Ouais. Ouais, j'ai un œuf. Oh, il y a un crocodile, gars. 2 crocodiles. Ah. Mais c'est pas grave, ils ont 2 attaques chacun, mais c'est très bien. On peut en fouetter un. Voilà, donc lui, il est stun, il pourra rien faire. Maintenant, il s'agit de tuer l'autre.
empoisonné, c'est terminé pour lui. Il a pas le droit de jouer, il a été stun. On a mis un coup de boule à un crocodile. Hein. Je vous laisse apprécier l'idée d'un coup de boule à un crocodile. Hein. Tactique imparable. Ma tactique imparable, c'est de lui fouetter la chatte jusqu'à ce qu'il admette qu'il avait tort. Hein. Et qu'il a non, s'il vous plaît, rende Sama. Enfin, en fait, on fouette le crocodile. Le crocodile, il ouvre la bouche pour faire ah. Et là, bam, dans la gueule. Forcément. C'est les vrais strats. C'est les vrais strats. J'ai un item en trop. Oui, bah la viande. Impeccable. Et j'ai encore tous mes déplacements de libre pour ceci. C'est très bien en termes de portée. Bloc, 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 on en chie. Caverne et village. Bonjour, bonjour. Attaquer les indigènes en colère. Bon, bah. Ils sont en colère, est-ce qu'on leur en veut? Paf! Allez, la moitié sont morts à cause de la technologie. Tasse la griffe derrière. Le coup d'épée pour l'achever. Petite colonisation. Et le dernier, c'est quoi ça, monsieur? Paf! C'est mon pénis. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Fume la bœuf. Fume la bœuf de la victoire. Tes persos peuvent évoluer, tout le monde peut évoluer, je pense, hein. Niveau 4, niveau 3, niveau 3, voilà, promotion, promotion, allez, tout le monde au niveau max, on est bien. Donc je peux rien faire à ce village. Ça révèle un truc derrière, le mystère s'épaissit. Le mec il bombe tout, c'est un plastiqueur fou. Lorsque nous avons trouvé qu'il commençait à émettre un bruit étrange, l'œuf a eu de légères craquelures qui sont apparues sur sa coquille. Quelque chose à l'intérieur voulait sortir. Après plusieurs essais, une créature y est parvenue. Une mignonne petite tortue était posée devant nous. Adorable, c'est pris. Une bébé tortue, mon gars. Stylé ou pas? Alors... Alors les villageois sont toujours là, et ça gueule. Ça gueule, ça gueule. Une autre caverne. Et ça dit... Ça dit que la pyramide est ailleurs. Hein. Ça dit que la pyramide est ailleurs. Hein. C'est fou, hein, quand même. Je sais pas où elle est leur pyramide à la con, mais... Hein. Ah, le portail! Alors d'abord, on va fumer tout le Schmitt. Oups. Alcoolique. Eh ben, c'est allé vite. Prends ce champignon et calme ton alcoolique. Calme ton alcoolisme, Rance. Très bien. On utilise la citrouille et il y a un immense tunnel. On peut l'explorer. Ça a mené ailleurs. Mais j'aurais dû aller dans le portail d'abord. Ouais, ça m'amène pas du tout là où je voulais être. Explorons le tunnel. Toujours pas. Explorons le tunnel. Toujours pas. Explorons le tunnel. Ah, merci bien. Après 30 jours, tout va bien. Explorons le portail. Et là, c'est intéressant parce qu'on a ce cube et apparemment, ce cube permet de rester plus longtemps dans le portail magique. Du coup, c'est parti. Bélébélé. Ok, ça va être vite exploré. Hein. On a combien de temps là? 26 jours. Eh ben. Ça, ça en prend 13, et ça, ça en prend 18. Bon, bah, ça va être vite exploré. Tu me diras, hein.
Oh, un sanctuaire des hommes du pilier. Aïe, 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 aïe. Qui boit? Qui boit le liquide rouge et son mystérieux contenu? Astérix a déjà été... Il est devenu alcoolique, puis maudit, puis il est mort, puis il est revenu. Donc on me dit Astérix. Hein. Allez, petit coup de potion magique. En reposant le calice, il a involontairement broyé entre sa main. Il semble que la potion mystérieuse lui a accordé une force considérable et qu'il est désormais en mesure de transporter des caisses supplémentaires. Eh ben, fantastique! Il est tombé dans le calice quand il était petit! Impeccable! C'était de la vraie potion magique. Ouais, il y en a une deuxième! Eh ben, Astérix, hein, vas-y, hein, sauce-toi, mec. Hein. Sauce-toi, sauce-toi, sauce-toi. Hein. Aïe, 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 aïe! Dès qu'il eut bu le contenu du calice, ses mains se mirent à trembler frénétiquement et son corps commença à se tordre convulsivement dans la douleur. Une fois calmé, j'ai pu voir que ses doigts avaient été remplacés par d'horribles griffes bestiales. Eh ben écoute, pourquoi pas? Eh ben, très bien, il griffe maintenant, il griffe. Et du coup, on est kébo ici pendant des plombes. Le cube métallique, effectivement, va donner plus de temps. Bon, bah... Voilà. On est revenu. On est revenu, on est revenu. Donc, il est probable que la pyramide se situe là, hein. On est d'accord. Hein. Parchemin sur la téléportation ciblée. Putain, c'est pété. Et là, on n'a plus qu'à... Enfin, après ça, on n'a plus qu'à creuser à travers la montagne. On est d'accord. Bon, déjà, parchemin sur la téléportation aléatoire. On peut espérer. Où est-ce qu'on est? Ah! On est littéralement à ce qu'on appelle au bord du gouffre. Donc non, c'est pas une bonne idée. Ah, donc c'est sans doute là, en fait, que se trouve la pyramide. Bon bah somme toute, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Notre bébé grandit à un rythme exponentiel et la tortue est capable de nous aider. Oh! Ajoutez la tortue. On l'a appelée Monsieur Sanders. Trop de gens dans notre expédition. Mais si je la monte... Non, trop de gens dans notre expédition. Et pas le droit. Mettre le pied à terre. C'est dommage. Adieu, Tortue Sanders. Sois libre. Bon, la région est en train de partir en trou noir, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se magne, en fait. Parce que là, le trou noir est à deux doigts. De manger la pyramide. On peut attaquer le lion des cavernes. Eh ben, boss de fin. Bré. Bré, vas-y, Astérix. Rentre, tiens ça pendant un instant. C'est marrant, ce machin, qu'est-ce que c'est? Eh ben ça marche. Eh ben voilà. Bon, on était à deux doigts d'être dans l'incapacité de finir cette expédition parce que la pyramide aurait été absorbée. On peut manger le fromage, manger les barrettes de shit, boire la potion magique, pas de champignons hallucinogènes, boire la gnôle. Oh, panoramique, c'est devenu alcoolique. Tiens, prends un champignon, t'iras mieux. Tira mieux, la viande on la jette, et puis un coup de pipeau. Non, il y a de la valeur. Petit coup de pipeau. Voilà, petit coup d'ocarina. On est bien là. Bob les bombes. L'éléphant, ça va rien dire. On va pas faire le con et on va terminer ça là. On est bien. Succès! Il faut qu'on pénètre dans la pyramide avec les pierres de lune, fort heureusement. On a le matos. Et voilà, j'ignore comment on va se casser de là, j'ignore si le bateau a survécu, mais en tout cas, c'est un succès et on est premier! Premier, mon gars, quel bordel quand même! Cette exploration du Pacifique sous Jacques Chirac. Ah non, mais. Ce voyage d'une. Victoire!
Oh, des femmes sont faites pour être enceintes. Wow, 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 wow. Wow, monsieur Weinstein, on est en 2020, s'il te plaît. Hein. Déjà, tu présumes pas. Oh là, le mec, il présume. Mais je suis ému. Incroyable. Il est rentré à Londres, Charles Darwin, Lovecraft aussi, grand explorateur. Yuan Fei Hong, je sais toujours pas qui c'est. Bob Lennon, qui avait pas brisé la barre des 2 millions. Ce jeu qui est beaucoup trop méta. Beaucoup trop méta, mon gars. Et là, par contre, là, c'est la volée vers la victoire. Et voilà. Volée vers la victoire. Facile. Eh, bon chiffre, ça. 3, 6, 6, 8. C'est joli, c'est joli. Ça ressemble à un code de carte bleue. C'est celui du JDG. Oh là 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 là. Le plus grand explorateur de la Terre, je vous présente, chers amis, Zelda. Incroyable. Incroyable. Zelda est retourné à Londres et a été porté en triomphe. Une fois que sa mémoire fut immortalisée par la confection d'une splendide statue, il a pu profiter d'une vie longue et heureuse, tout en sachant que l'histoire se souviendrait de lui comme un personnage marquant de notre société pour les générations à venir. Astérix, après son arrêt cardiaque, a ouvert les yeux et compris que la vie ne tournait pas seulement autour de la potion magique. Il est rentré chez lui et a vécu retiré du monde. Après de nombreuses années, il a publié ses mémoires qui n'ont pas su capter l'attention du public. Plus tard, il a utilisé les richesses qu'il a accumulées pour devenir l'un des premiers conducteurs d'une nouvelle automobile. À la fin de sa vie, il est devenu obsédé par d'horribles rêves à propos d'une mystérieuse pyramide oubliée. Il a disparu un soir et plus personne ne l'a jamais revu. Alors le jeu est méta. Ransama est rentré à la maison et s'est marié peu de temps après avec une riche héritière qui lui a assuré sa sécurité financière. Un vaisseau royal a été baptisé en son nom. À la fin de sa vie, il est devenu obsédé par d'horribles visions à propos d'une 7e expédition. Il a disparu sans laisser de traces. Il a rejoint le pays du Japon. Après ce retour, Silplaine a voyagé en Occident pour donner des conférences sur ses fameuses aventures. Elle est restée en contact avec la plupart des autres survivants et leur envoyait des lettres tous les mois jusqu'à sa mort des années plus tard. Elle a vécu une longue vie et tranquille. Alors, elle a vécu une longue vie tranquille et est morte en présence de son prêtre. Panoramix est rentré à la maison et après un petit moment de gloire a fini par sombrer dans les oubliettes de l'histoire. Plus tard, il utilisa les richesses qu'il avait accumulées pour devenir un des premiers conducteurs d'une nouvelle automobile avec son compagnon homosexuel. À la fin de sa vie, il est devenu obsédé par d'horribles cauchemars à propos d'une 7e expédition et il a disparu un soir avec Aspérix et plus personne ne l'a jamais retrouvé. Et ben voilà! On est dans la cohérence, mon gars! On est dans la cohérence! Putain! Entre les aventures de Bob Lennon, les aventures de Xoupi et maintenant les aventures de Zelda! Ah, Syl, elle a eu un temps de... avec son prêtre, elle a eu un temps de confession qui a duré 10 jeux. J'avoue que Syl, elle a vu des choses. C'est tellement méta, mais j'avoue! J'avoue, fantastique! Curious Expedition, chers amis! C'est quand même formidable! Curious Expedition. Alors il faut savoir que il y a aussi un mode, il y a Curious Expedition 2 qui est déjà sorti ou qui va sortir, qui est en pré-alpha, je sais plus quoi. Mais il y a aussi Rivals, Curious Expedition Rivals, qui apparemment te permet de jouer en online sur une map qui est infinie. Je suis questionnatif. On peut choisir. Putain, on peut choisir. Ouais. Alors, on peut choisir, mais c'est aléatoire. On n'a pas le droit de customiser. Ah, quel dommage. J'aurais préféré custom, personnellement. J'aurais fait la vieille dame de Babar. Et parfait. Allons-y, nouvelle expédition. Choisissez votre avant-poste de départ. Wouah. Wouah. 730 jours, renommée. Ah, et le mode online, il compte 0 en fait. Waouh. La folie pourrie, allons-y. Choisir l'équipement. Qu'est-ce sélectionné? Un âne et là, carte 7 caisse, j'ai plus qu'un seul jeton. Ah, d'accord. D'accord. Donc, c'est le mode.
Cette région a été cartographiée par Tempoint Chumato. Très bien. Visiter le dispensaire, qu'est-ce que ça fait? Soigner, d'accord, c'est pour soigner, retourner à sa place principale. Rencontrer le serviteur de l'insi, poser des questions, faire du troc. Oh là là là, quelle angoisse. Partir. Ah ouais! Ah ouais, 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 ouais! Et donc, tu joues en semi-compétition avec tous les joueurs qui, eux, ont joué à Curious Expedition, si tu veux. Ah, oh, c'est dingue! C'est dingue, c'est dingue. Je teste, hein, c'est pour voir. Hein. Mais c'est génial! Un mode endless, si tu veux. Fouiller la jaune. Très bien, je comprends tout. Les animaux sauvages ont l'air féroces. Ouais, mais ça passe. Regarde, on se casse. Ils ont rien vu. La tombe a déjà été explorée. Waouh! Donc effectivement, côté ressources, c'est tendux. Je teste, hein, c'est pas. Cette région a été cartographiée par Fist 12. Effectivement, il a déjà tout vidé. On va pas aller loin comme ça. S'approcher du marchand. Qu'est-ce qu'il propose? Oh, des jumelles. Ah, je prends tout. De toute façon, on va crever, hein, donc tant qu'à faire. On va crever comme des cacas, donc tant qu'à faire, autant pousser si tu veux. On entre dans une nouvelle région. J'aurais dû le monter. 100% de chance qu'il nous arrive des bites. Si on abattait une des bêtes, on pourrait assez se nourrir. Ouais, bah butons-le. Oh putain, on peut se reposer pour la nuit et tout. Il est devenu claustrophobe, c'est pas grave. On est dans une nouvelle région, les mecs! On explore le online, on est trop fort. Oh la grotte. Vas-y, explore. Tableau et ça, je prends tout. Trop bien. Oh, le cercle de pierre. Révèle les villages. Tadam! Nouvelle caisse, anthropologue. J'ai révélé des trucs, mec. Ah, j'ai révélé des missions. Putain, on part dans des zones. Nous entrons dans une nouvelle région. Ah, elle était cartographiée par quelqu'un, déjà. Cartographiée par un chinois, putain. Toujours eux. Ah, y'a pas de nuke, hein. Ah, y'a un autre joueur! Wouah! Maintenant, il est devenu pyromane, kleptomane et claustrophobe. Ça devient un problème, ce gars. On a invité un mec à nous rejoindre. Faisons du troc avec les sauvages. J'ai des tableaux. Vous en battez les couilles? Très bien. Annulé. Recruté. Il y a un chaman indigène, il m'a rejoint. Reposons-nous. Il est superstitieux. Trop bien. Trop bien, je suis désolé, je teste, hein, mais c'est ouf. Rendez-vous compte. Explorer la grotte. Allez, ça passe. Ça passe. Examine les momies, prends tout. Il y a un incendie. Il a mis le feu. Oh con. Oh con, il a mis feu. Cubile l'ancien. C'est où?
promouvoir. Level up. Wouh. Magicien, grimpeuse, carriériste. Magicien, je suis un sorcier, mon gars. Double, deuxième promotion. Œil d'aigle, dernier survivant et protecteur. Œil d'aigle. Ouah, camp d'esclavagiste. Vendre quelqu'un. Vendre le chaman. Super. Le marchand d'esclaves m'a proposé quelques items du coup. Cool, fort aimable. Oh, il y a un fusil, putain, la carabine, j'avoue. Oh, les billes. Oh, la gnôle. Tu veux pas un peu de corde? Quoique, attends, j'avoue que abandonne ça. Et le fusil, t'es prêt à rien contre le fusil? Ah, il veut bien les tableaux. Ah, il veut bien les balles. Il veut bien les balles. Tu veux pas les joyaux? Ouais. On discute là, hein? On discute. On est bien là quand on discute comme ça. Et hop. Un mec contre un fusil. Attaquer l'esclavagiste. Allez, on va crever comme de la merde, c'est parti. Tire à bout portant. Oh, le pompe, mon gars. Rituel de la guérison. Fin du tour. Ah, il nous fouette. Putain. Est-ce que ça passe? Ça, c'est la vraie question. Ok, on a de quoi faire un sortilège et de mettre un coup de tête, histoire d'en paralyser un. Et on a surtout le fusil à pompe. Merde, c'est pas ça que ça marche? Ah si, ça tire à bout portant, c'est bon ça. Bef! Rituel de la guérison magique. Fin du tour. Putain, ça se fait. Pompe. Ah merde, il a stun. Avantage tactique. Ah, ils nous ont mis plein la gueule. Oh, ils nous ont mis plein la gueule. Comment on fait un tir avec la main? Comment on fait un tir avec l'enchaînement? Rituel de la guérison mystique. Ah, coup de fusil, c'est ça, attaque multiple, 3. Pef! J'ai claqué la balle. Sauf que cet enfoiré, il va nous. Il faut qu'on pète son armure. Voilà, c'est bon. Son armure est pétée. Du coup, avec ça, bam, 3 de dégâts à tout le monde. Rituel de l'unité et bouclier. C'est pas beaucoup, mais c'est assez pour nous protéger d'un tir de pistolet ou d'une griffe. Ouch. Putain, ça strate, hein. Non, là, il nous faudrait un swipe. Je t'en supplie, Gadjo, il me faut une épée. Putain, pas d'épée. Bon, moi, on en putain. Ha! Et on est full life! La stratégie l'aura emporté, gars!
Garde-moi cette sorcellerie vaudou. Je peux pas attaquer, mais c'est pas grave. Ah! Et bon. Mais je perds quand même de la vie. Coup de pied. Allez! Allez, let's go! Let's go, j'ai vaincu le négrier! Oh oui, donne-moi tout! Et ça brûle. Alors j'ignore pourquoi subitement ça brûle. J'ai fumé le pchit. J'ai plein de balles. J'ai ça, c'est en trop. Et j'ai encore un objet en trop. Merde. Bon bah tant pis la momie. J'abandonne la momie. Objectif survie les enfants. Alors je sais que cet épisode est plus long que d'habitude, mais cet online est fou. On est en train de mettre un guac qui est certain à nos chances de survie. Admettez-le. Bonjour. Putain, il a des bœufs et tout. Putain, mais le mec, il joue sa vie. C'est la chinoiserie la plus totale. Perso ancien, putain. Révèle les ruines, mec. En plus, il a mis le feu derrière. Bon bah. Par contre, c'est la fin de notre déplacement libre et harmonieux. Ah, sauf qu'on peut attaquer le tigre à dents de sabre. Et comme il a le, le truc aux organes de la santé mentale, fais voir. Amoureux de la nature, marché noir, explorateur de l'Arctique. Marché noir, mon gars. Ah non, mais on est là, hein. On tient. Putain, il a l'air... Oh, il a l'air vénère. Damn it. Eh, bah, c'est la fin. C'est la fin, à mon humble avis. Avec ça, ça passe pas, si tu veux. Avec ça, ça passera pas. Ça a l'air complexe, même si on a de la luck. Ouh! Riposte, mec. Nous empoisonne avec sa sorcellerie, l'enfoiré, l'enfoiros. Ça, par contre, c'est un bon run. Ça, c'est un bon run. Paf! Sorcellerie. Protection, mec. Ah! Ah! Je mourrai pas comme ça! Je mourrai pas comme ça! Martoni! Je le tiens! Je le tiens! On a trop d'items! C'est la panique! Des zéros vitals, c'est la pagaille! Avec 12 PV, on a 40% de chance qu'il nous arrive de la merde! On a foi! Ah, il nous arrive de la merde! Ah, il a laissé il a perdu des objets. Bon, c'est pas très grave. On entre dans le sanctuaire! Prends tout! Parchemin d'ouvrage sur le feu! C'est grotte démoniaque. Brûle tout. On se casse. C'est terminé pour nous. C'est terminé pour nous. On se fait attaquer par des putains de saloperies démoniaques du cul. Fuir.
Il nous est arrivé un truc. Il est mort, il s'est tué avec son propre fusil. Il s'est suicidé. Alors que moi, je pars seul dans la forêt héroïquement. Avec trop de matos aussi, hein. C'est-à-dire que c'est la pagaille à tous les étages, hein. J'y vais à la zeub, hein. Putain, j'ai deux emplacements d'inventaire, quoi. Bon, j'irai voir un un triceratops avant de mourir. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des hallucinations, tout va bien. Hallucinations, je peux encore le gérer. Oh, le bateau. Il m'arrive un truc. Ah, merde. Ah, je suis mort. Je suis mort. J'ai écrit mes derniers mots. Tant pis. C'était une bonne run. C'était un effet méritoire. Score final, 20. Et ben, j'aurais quand même couru dans la pampa. Comme un forcené. C'est parfait. Ah, on peut sauvegarder le portrait actuel. Et ben parfait. Parfait. Hein. Honnêtement. C'est dommage qu'on puisse pas les éditer. Mais je trouve ça fumé. Hein. Et ben voilà. C'était en tout cas Curious Expedition, brave Jean. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je voulais tester le Rivals. Voilà, on a pris 20 minutes pour le faire, mais c'est sympa. C'est cool d'avoir découvert ça, mais en tout cas, c'est la victoire totale avec Zelda, Astérix, Panoramix, enfin Genoramix si tu veux, Rance-sama et Silplane. Et c'est ça qui est bon. Merci infiniment. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou. Oh, oh misère. Quel enfer. Putain, il y a des plugs anal.